le général Irastorza, chef d'état-major de l'armée de terre, était en visite au CEFIM de Verdun lundi 6 décembre. Il était accompagné du général Autran, commandant la 7e brigade blindée et dont dépend ce centre de formation. Lors de sa visite, le CEMAT a tenu à dialoguer avec les jeunes recrues qui ont pu lui faire part de leurs sentiments. Ah, il y en a qui me disent le contraire. Allez, hop. Le CEFIM de Verdun, comme d'autres centres, a récemment achevé une formation. Une autre se terminera dans un mois. L'occasion pour le CEMAT de dresser un premier constat et de fixer les prochains rendez-vous. Parce que globalement, si vous voulez, j'ai la conviction que nous sommes dans la bonne direction. Le commandement des forces terrestres a déjà fait un point de situation. Nous en referons un début janvier. Je verrai les derniers CEFIM avant Noël. Et puis courant janvier, nous donnerons déjà des inflexions nécessaires pour harmoniser un certain nombre de choses et améliorer encore notre système sans plus attendre. On ne va pas attendre l'été. Hein, on va le faire dès le mois de janvier, de telle façon qu'après les choses roulent normalement et qu'on atteigne très rapidement les objectifs qu'on s'était fixés. En fin de visite, le chef d'état-major a rappelé l'importance de la formation et les valeurs faisant la spécificité du métier de soldat.